que le chant retentisse vers le roi de gloire. Tu es le Dieu vivant, tu es notre Dieu. Et nous venons reconnaître, papa, ta royauté, ta divinité dans nos vies, dans nos situations. Tu es Dieu, alléluia. Nous servons le seul et le vrai Dieu, celui qui est, qui était, celui qui vient. Son nom, c'est Jésus. Et nous venons t'élever, toi l'alpha et l'oméga. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Oh.
verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le retour du Seigneur est réel. Amen. Jésus revient bientôt et un jour, plus de souffrance, plus de douleur, plus de maladie, plus de haine, plus de jalousie, plus de calomnie, plus de douleur, mais nous verrons notre Sauveur tel qu'il est. Et c'est pour un jour comme celui-ci que nous nous privons. C'est pour un jour comme celui-ci que nous acceptons d'être humiliés. C'est pour un jour comme celui-ci que nous sacrifions jour après jour, soir après soir pour être dans sa présence. C'est pour un jour comme celui-ci que nous gardons le silence parce que nous voulons le voir comme il est. Nous voulons monter avec lui alors qu'il viendra. Alors qu'il viendra dans toute sa gloire. Alors qu'il viendra dans toute sa gloire. Si on peut le chanter encore. Oh oui, oh oui. Ces paroles, les entrer dans notre cœur et préparer notre vie à l'action de son retour. Il reviendra bientôt. Jésus, oh oui, oh oui, il reviendra bientôt. Jésus reviendra, il reviendra bientôt. Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia, Jésus, alléluia. Est-ce que quelqu'un réalise, alléluia, que son Seigneur revient bientôt? Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Apocalypse 22, 20 nous dit « Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. » Amen. Oui, je viens bientôt. Amen. Alléluia. Parfois, on peut avoir l'impression que bientôt s'est transformé en il y a longtemps, ou ça fait longtemps, mais il vient bientôt. Amen. Et c'est une promesse que notre Dieu fait
Et nous savons que c'est un Dieu qui garde ses promesses, n'est-ce pas? Et nous pouvons continuer de croire et d'espérer en ce jour-là. Amen. Et le Seigneur va venir. Il a dit au début du livre d'Apocalypse, écris ces paroles. Amen. Alléluia. Apocalypse au premier chapitre. Alléluia. Il écrit verset 2. On va commencer au verset 1. Il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et entend les paroles de la prophétie et qui les garde, les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Et le Seigneur dit à Jean d'écrire, car ses paroles sont certaines. Amen. On peut être certain qu'il va venir. Amen. Nul ne connaît l'heure, nul ne connaît le jour, mais c'est certain. Amen. Alléluia. Et nous anticipons ce jour-là. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Jésus. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia.